Le français André Derain est relativement peu connu comparé à d'autres peintres comme Picasso ou Braque. Pourtant, il a eu lui aussi une très grande influence sur le monde de l'art au début du XXe siècle. Il est avec Henri Matisse l'un des fondateurs du fauvisme, un courant de peinture expressionniste caractérisé par ses formes simplifiées et ses couleurs vives. Nous sommes partis de l'idée qu'il existe deux Derain. Le Derain des années 1902-1910, le fauvisme, l'avant-garde, un peu de cubisme. Et puis le Derain qui est un classiciste, le retour à la tradition et au musée. Dès les années 1910, André Derain s'éloigne en effet du fauvisme et revient à des œuvres plus réalistes sur des sujets et des thèmes classiques, devenant l'une des figures majeures de l'entre-deux-guerres. Une centaine d'œuvres sont à retrouver dans cette rétrospective, visible jusqu'au 31 janvier 2021 au musée d'art de Mendrisio, en Suisse.